Salam alaikum, hello, hola, c'est Aurélie du blog Maroc et moi, le blog dédié à tous ceux et celles qui veulent apprendre le marocain et s'épanouir au Maroc. Je suis vraiment ravie de vous retrouver enfin sur la chaîne YouTube après une pause de plus de 2 mois. En fait, si tu me suis sur le blog Maroc et moi, donc si tu es abonné, que tu reçois la newsletter ou que tu me suis sur Instagram et Facebook, tu sais pourquoi. Début 2019, j'ai eu un enfant. Et donc, face à ce cas de force majeure, je n'ai pas pu continuer à suivre le programme que j'avais annoncé pour cette année. Donc, pour l'instant, ma priorité, c'est évidemment de prendre soin de ce petit bébé, mais aussi d'avancer dans la réalisation de la formation que je vous ai promis pour apprendre l'arabe marocain au quotidien. Donc pour l'instant, je travaille là-dessus pour le peu de temps que j'arrive à avoir. Mais c'est vrai que ça me ferait plaisir de pouvoir de temps en temps poster une vidéo quand même sur YouTube. Maintenant que vous êtes plus de 4000 abonnés, donc je vais pas laisser la chaîne comme ça pour morte. Et donc aujourd'hui, je vous propose qu'on apprenne comment on dit les jours de la semaine en darija. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors tout d'abord, lundi, on dit tnin, 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 ou bien nhar tnin, nhar tnin, nhar tnin. Donc ça c'est pour lundi, le lundi. Ensuite mardi, on dit tlet, 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 ou bien nhar tlet, nhar tlet, nhar tlet. Le mercredi, on dit l'arba', l'arba', l'arba'. On dit très peu nhar l'arba'. Ça se dit nhar l'arba', mais souvent on dit plutôt l'arba'. Ensuite, jeudi, on dit l'khmis, 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 ou bien nhar khmis, nhar khmis, nhar khmis. Ensuite, le vendredi, on dit jema, 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 ou bien nhar jema, nhar jema, nhar jema. Le samedi, on dit sept, 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 ou bien nhar sept, nhar sept, nhar sept. Et le dimanche, on dit l'had, 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 ou bien nhar had, nhar had, nhar had. D'accord? Donc voilà, et quand je dis nhar tnin, nhar tlet, nhar ça veut dire le jour. Nhar ça veut dire le jour. Donc quand je dis nhar tnin, c'est-à-dire le jour du lundi. Donc soit tu peux dire tnin, tout simplement, le lundi, ou bien tu peux dire nhar tnin, donc le jour du lundi. On utilise les deux. D'accord? Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura été utile. N'hésite pas si tu as une question. Et puis, ben, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Cette fois-ci, j'essaierai de ne pas trop tarder, évidemment. Et puis, on essaiera de voir quelque chose de court, de faire une vidéo courte, mais qui te soit utile au quotidien. Voilà, merci beaucoup de ton attention et je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Slama, bye bye.